Et bonjour à toutes et à tous, c'est K65 et on se retrouve pour l'épisode 4, Diluvian Winds. Commencé au jour 21. Donc sur l'épisode précédent, on a fait la salle de Roger, là, la salle qui nous permet de rechercher des technologies. Donc ça, c'est fait. Du coup, on attend de passer la journée pour pouvoir lui donner ses insectes, histoire qu'il nous file les plans. Donc, et là, aujourd'hui, le jour 21, c'est le jour d'arrivée de la caravane, donc on va pouvoir sélectionner nos gars. C'est aussi le jour d'arrivée de la tempête. Enfin, du raz de marée. De la vague scélérate. Du coup, ça va piquer. Ça va piquer. Voilà. Allez, on est reparti. Hop. Alors, je préfère faire charger, c'est plus simple que de reprendre. Pas plus simple. Donc, voilà, je préfère faire charger. Que voulez-vous? On a ces petites habitudes. Allez, c'est bon, on va démarrer. Donc, ta caravane arrive bien aujourd'hui. C'est parfait. Donc, tous les voyageurs qui partent, non, vous n'avez pas de requêtes, c'est normal. Maintenant, normalement, on devrait avoir des voyageurs avec des requêtes. Alors, maintenant, je vous passe ça, hein, les cinématiques. Donc, on a Cléo qui est un castor, qui est une castor. Je veux bien pour le bois, c'est cool. Oscar, ah, ils ont pas de requête. Bizarre qu'ils aient pas de requête. Peut-être la prochaine, peut-être qu'il faut attendre que d'avoir fait la requête de Roger. Aussi bien, je peux pas. J'ai déjà Billy, c'est dommage. J'ai deux places, donc je suis obligé de les prendre. Donc il y a Mina et Billy. On va prendre. On peut prendre tout le monde, quoi. Ça veut dire. Pas de requête, c'est dommage. Donc il était bon normalement quand c'est pas protégé, quand il a pas été renforcé, il y a un petit point d'exclamation rouge, hein, qui s'y met. Tout a l'air bon. Allez. Aucune quête de leur part. Donc, faire sans. Hein. Alors, mon castor, tu es là. Ça, Billy. Mais t'es pas bon en métal. On va faire du bois aussi. Oscar, qu'est-ce que tu construis? La bonne pêche, cellier. Ah, le cellier, le problème. Si je pourrais le mettre là-haut et le déplacer plus tard. On a déjà un cellier, je suis con. Plus un stockage que je voudrais faire. Tu me fais les stockages. Le problème du stockage, c'est qu'il se pose ici. Donc, quoi qu'il arrive, il est mort. Et ça, c'est mort. J'ai pas envie. Donc, la souris, tu feras rien pour le moment. Tu vas faire de la bouffe. Tu vas faire des légumes. Voilà. Oscar, il va nous faire du poisson. Voilà, c'est Balthazar qui va me faire Est-ce qu'il me ferait pas un peu de filet, tiens Balthazar, tant qu'on y est. Plus 20, plus 28, personne ne fait Ah, Balthazar. Personne ne fait d'insectes, c'est surtout des insectes en fait qu'il me faut. Du coup c'est Oscar qui va pas bosser, qui va faire du filet. Alors toi Roger il veut qu'il dit des verres, il veut donner des verres. J'en veux pas copieux, tout le monde est content. J'ai pas trop vu ce qu'ils avaient comme demande. Dommage d'ailleurs. Grave. Allez, c'est bon. Ah, j'ai eu mes 5 plans, cool. On va pouvoir augmenter le premier truc. Oh, ce croquant, ce jus, ce gras, et la sauce. Ah, la sauce. Ah. Oh, ben, je suis flatté que ma cuisine vous plaise tant.
Ah, gardien, répondre à une telle requête ne peut que remplir votre jauge de connaissances. Le partage est au fondement de la science. Passons immédiatement à la réalisation de votre premier projet. Ah bah, premier projet, un bois. Ouais. Là, ça va me coûter 5. 3. Alors, si vous écoutez des requêtes, vous gagnez des plans. Ouais. Les plans peuvent être dépensés pour débloquer des avantages. Ouais. De multiples projets s'offrent à vous. Le coût de chacun varie. Choisissez bien le prochain projet que vous débloquerez. Oh, grâce à vous, de nouvelles perspectives s'offrent à nous. Ouais. Heureusement que vous aviez affaire à un spécialiste. Moi. Merci, mon ami. Pas de quoi. Ravi d'avoir pu être utile pendant cette courte étape. Je continuerai ma route avec la prochaine caravane. Ok, donc lui il est sur le départ maintenant. Très bien, alors qu'est-ce qu'on a comme projet? Ça va me coûter 5 plans aussi, ok. Il y aurait le feu aussi augmenté, qui serait pas mal. La taille des caravanes, donc 5, 10, 15. Les 15 prochains plans, on va pas commencer par là. Là on fera un peu plus tard. Les 15 prochains plans, ouais... Ça va être ça quoi, parce que lui il va me coûter 20 plans la grille terrestre. Ah, j'aimerais bien l'avoir, hein, mais 20 plans quand même. Vous allez voir que les plans c'est pas si facile à ce que ça à récupérer. On va perdre 24, tant pis. Là on est revenu à fond au niveau du feu. Donc voilà, maintenant on a débrouillé le chapitre 2, nous a fait débrouiller l'arbre de projet, le plan et le prototype et les requêtes. Donc c'est à partir du chapitre 3 où on a les requêtes. Une heure, je suis pas sûr, mais on se voit. Allez, c'est parti pour la tempête. La tempête. Un truc qui est bizarre, c'est que la map elle a l'air d'aller un peu plus vers la droite et on peut pas aller trop vers la droite, c'est dommage. Allez, tous aux abris! Pour ça, je vous le laisse parce que c'est marrant. Du coup, avec ce qu'on a comme bois, on va pouvoir renforcer les bâtiments qui ont pris un peu dans la tronche. Moi, je peux répéter à dire, ouais, ciment, ça serait mieux. Hein. Ça fait le phare, il tient. Alors pourquoi Ah, il y a quelqu'un. Un homme à la mer. Sous l'océan. Sous l'océan. Il y a d'autres voies sur... Peut-être d'autres voies de survie. Non, ça marche pas. Je sais pas chanter, désolé. Donc voilà. Chapitre 3, sous l'océan, il y a d'autres voies de survie. Eh oui. Gardien, gardien, venez voir. Oui. À la pipe de mon arrière-grand-père. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Aucune idée. Une sorte de lézard, peut-être. Aidez-moi à la porter. Nous allons la réchauffer à l'intérieur. Ah, si c'est un lézard, ça a du sang-froid. Hein. Je n'ai jamais eu de telles écailles. Aussi vives. Je n'ai jamais eu de telles écailles aussi vives sur un lézard. Pas un lézard. Je suis une salamandre. Comme les monstres qui nagent dans le feu. Stéréotype. Ah, si seulement je pouvais... Gardien. Elle a besoin de soins. Que pouvez-vous faire? Il y aurait bien Mika qui pourrait nous aider. C'est un médecin qui m'a déjà aidé par le passé. Aux dernières nouvelles, il habitait dans un village non loin d'ici, derrière la colline. Je vais lui écrire pour lui demander son aide.
Dommage qu'ils finissent pas les phrases sur le même encart. Des fois, je sais pas lire, hein. Du coup, ben, j'ai du mal à lire. Du coup, ça vous change pas. Ah, une météo différente maintenant. Donc, on a l'arc-en-ciel, bien sûr, hein. Nuageux, donc moins de morale, et après, ciel bleu. Donc là, c'est bien parce que le feu va pas beaucoup baisser. Du coup, on va pouvoir conserver le bois. Donc, c'est cool, j'ai pas besoin de faire du bois aujourd'hui. Pas de requête. Et ça va pas tarder. Personne a de demande particulière. Tu peux laisser Salmi tranquille, s'il te plaît. Allez, Billy. Bon. Donc déjà, Billy. Le terrarium. La Cléo. Et on refait ça. Mina, hop, tu vas travailler là-haut. Oscar. Renforcer ça. Et Balthazar. Et renforcer. Voilà. On aura que de la bouffe, mais c'est pas grave. Demain, on refait du bois à fond. Je sais pas si Samy a une requête particulière, j'ai pas vu. Pas vu s'il y avait une requête, donc tant pis. Hop. On a plus de bois, ce serait pas mal. Elle passerait avec un bon moral déjà, un moral neutre. C'est plutôt cool, on dit oui, il est content. Et il s'en va. Enfin, quoi qu'il s'en va pas demain, donc ça va. Ouais, mais déjà on lui remonte bien le moral, c'est cool. Allez. Je l'ai Salmi là. Non, je l'ai pas Salmi. Moi, je peux y cliquer dessus. Devenir heureux, j'aurais plus 3 plans. Ok. Parfait, et attendons l'arrivée de Mika. On peut aller jusqu'au moins 3. Donc ici on fera le plein. Et si je fais le plein maintenant, ça aide pas la caravane, donc c'est pas la peine. Toujours un coup de rallumage de 2, hein, donc c'est bien. On doit attendre l'arrivée de Mika. Eh ben attendons. Patience. Ah, ça aiderait la caravane, j'aurais mis un peu de feu. Mais là ça l'aide pas, donc ça sert à rien. Aujourd'hui ils ont d'avoir le moral dans les chaussettes parce que il y a moins 2 de moral à cause du temps. On a du ciel bleu, on va peut-être pousser un peu plus hein, parce qu'on a du ciel bleu encore. Alors, petite cinématique. Oh, mon cher Mika, vous avez fait vite. Eh bien bonjour gardien, j'ai pris connaissance de votre demande d'aide et je me suis empressé de me mettre en chemin. Nous avons trouvé ce lézard, enfin salamandre. Flottant dans l'eau. Elle est encore mal en point, pouvez-vous la sculpter? Un qui pense, c'est pas bon ça. De ce que je vois, ça n'a pas l'air bien méchant. Du repos et surtout une bonne alimentation. Vous devriez tenter de faire une bonne marmite. Comme vous savez si bien le faire avec des ingrédients variés, cela devrait la remettre sur pied d'ici quelques jours. Ah, cela me rassure fort bien. Merci Mika, toujours là pour nous aider en cas de coup dur. Vous feriez-vous le plaisir de rester jusqu'à ce qu'elle se remette? Assurément. De toute façon, mon village est sans dessus-dessous en ce moment. Maudit tremblement de terre. Si vous avez besoin, mon phare est toujours à votre disposition. Dans ce cas, préparons de bons gueuletons jusqu'à son rétablissement. Voilà, il faut soigner Salmi en la rendant heureuse. Dès qu'elle sera heureuse, elle sera rétablie. Ok, donc il me faut absolument un petit peu de terrarium, du poisson fort bien goûteux, sauf que je me suis trompé, ça c'est le castor, du poisson, Mina presque, tu fais quoi toi? Moins de métal, donc
Hop, je vais mettre plutôt Mina. On a 20. Je suis pas sûr que je puisse. Ah, c'est 25, mince. Ah, c'est dommage. 5 près, j'avais ce qu'il me fallait. Eh ben, Mina, tu vas. 50. Ou. 43, 63. Je remets pas de feu aujourd'hui. Je remets du feu aujourd'hui. Alors, on va plutôt mettre la bouffe. La bouffe, c'est mieux. Allez. Dommage parce que je crois qu'elle s'en va demain. Ouais, la caravane arrive demain, elle s'en va demain. Chier. J'aurais peut-être pas la possibilité de faire un dortoir, mais bon, pas grave. Alors, repas copieux. Mina, elle est où? Non, elle est où, Samy? Samy, elle est verte. Je vais faire des légumes farcis, ça me fera moins de bois. Là, je fais plus de bois. Par contre, Samy, elle est toujours en vert. Mais bon. On peut faire ça. Tout le monde se barre. Cléo, Mina, Balthazar, tout le monde se barre. Tout le monde se casse. Franchement, hop, on part de zéro. 3. Elle passe jaune. Elle est verte. Elle est jaune. Voilà, pas assez verte. Repas copieux. Mets du poisson en plus. Pas sûr d'en récupérer du poisson dedans. Elle est verte, elle reste verte. Voilà. C'est déjà pas mal. Vraiment, Cléo se barre demain. Pour l'instant, on va faire de la requête. Mais Cléo a pas de requête. C'est pas la peine. On s'en fout de la requête puisqu'il y en a pas. Ok, et on. Ben, du coup, on utilise des 10. Parce que si bien qu'on arrive, on va voir tout le monde à 50. Donc, voilà. Tu peux faire le stock, ça serait bien. Pour avoir encore plus de stockage de bois, ça serait cool. Donc si bien calculé, tout le monde se casse, c'est bon. Le la soleil, ah c'est bien, on est en, on n'a pas trop de pluie, c'est cool. Alors toi oui, toi oui. Oh oui, mais toi, oui, hein, je peux pas faire trop. Hein. Chier d'avoir quand même deux loutres, quoi. Faire aucun produit. Faire deux bois. Produire du bois, ouais. Devenir heureux, ouais. Produire du poisson, produire du bois. Alors, faut pas que ça soit le personnage, enfin, le réfugié qui produise. Faut qu'on ait produit cette ressource quand il est là. Voilà. Et pour Elmer, dans les 5 jours. Mais si c'est pas lui qui a produit. Alors, bref, on va le vérifier de suite, hein. Mais normalement je dis pas de conneries. Si c'est pas lui qui a produit le poisson, c'est pas grave, ça sera quand même comptabilisé. Par contre, le devenir heureux, c'est Omar, il doit devenir heureux. Les productions, c'est l'ensemble du village. Le moral, c'est le personnage. Alors, du coup, rien d'autre à faire. Pas de quête, rien. Bon bah allez. Alors, produire du poisson. Produire du bois. Devenir heureux. Et produire du bois. Et déjà, Mimi. Faut pas produire du bois du tout. Je vais pas le mettre parce que j'ai pas l'extension. Je vais faire ça. Hein. Il va faire des légumes. Il va faire du poisson. Et Otis. Chier parce que c'est une loutre, hein, du coup moins 5. Chiant. Et il va produire un peu de bois. Ou alors Otis, je le mets. Ouais, non, on va le mettre quand même là. Ouais. Mettre au bois, c'est bien, c'est combien le filet? C'est à 15, alors que là on est 15 garantie. Ouais, du bois, c'est bien. Le tour des personnages juste après.
pour vous montrer que oui, donc du coup ça a augmenté leur ça a augmenté là. Enfin la requête a été augmentée. Non. Et du copieux, tu restes, tu viens vert, ok, vert bleu. Mika est heureux, Eva, c'est Otis ou Omar? Omar, je crois qu'il va être bleu. J'ai pas vu ce qu'il voulait par contre, Otis, vers Omar. J'aurais dû regarder, c'est tant pis. Pas de la bouillie, mais ça réduit le. Plus de légumes, plus de poissons, pourquoi pas. Plus de légumes, plus de poissons, plus de métal, moins d'huile. Mais bon, de l'huile, on en a, on fait pas encore, donc on s'en fout. Allez, on ferme ça. Tout le monde est heureux, même Salmi. Elle est pas heureuse, elle est satisfaite. Le phare, non, on va pas s'amuser à attendre. Oui, on va attendre. Encore un peu. Ah, retissu est épuisé. Mais c'est pour des insectes. Alors toi... 4 coups de soleil, ouais. Ah, du coup, là, il doit pas être bien, là, niveau moral. Mimi. Donc voilà, je vous avais dit, hein. Vous voyez, produire 15 bois sur 30, donc ça faisait bien comptabilisé. Mais je crois que Mimi a été... au bois, non elle était aux légumes, donc ouais c'est quand elle Eva par exemple n'a pas fait le poisson du tout, c'était Omar, donc ça devenir heureux pour Omar et Otis. 15 de bois, donc le bois on va l'atteindre, ça c'est bon. Otis, tu t'en fous en fait, toi tu t'en fous de ton moral. Hop, voilà, pas chassé. Tu produiras moins, mais en fait, ton moral, tu t'en fous complet. Donc, si tu t'en fous, je m'en fous. On va bientôt avoir les plans. Hein. On va voir 1, 2, 3, 12. 12, c'est bien 12. On va débloquer deux trucs. Oui. Plus 10 de bois, plus 4 de moral à Omar. Bah Omar. Omar c'est celui qui veut. C'est celui qui veut devenir heureux, donc oui. Voilà. Même pas eu besoin d'attendre. Allez, par contre, il va falloir renforcer ça. Pour la prochaine truc. Ah, toi tu produis du Proscaï. Ça permettra plus 18, ouais non, pas plus 18 du coup. Poisson, on est bien. Toi, tu vas produire le poisson. Toi, tu vas produire le bois. Ah, parfait. Et là, on aura tous nos plans. Voilà. Nos 12 plans, donc on a, j'avais dit 15 je crois, c'est bon on les a. Je peux pas les sélectionner pour le moment. Salmi elle retombe pas bien, mais bon c'est pas bien grave. Hop. Là si je veux je le fais passer bien, mais j'ai pas envie. Bon, pas pour le moment. Je peux essayer de faire du bois. Prochain, parce que comme ça au moins les autres repartiront pas je crois, peut-être pas au prochain mais celui d'après, le jour d'après on la mettra en exalté. Voilà le fuego. Ouais, je l'ai fait avancer lentement. On met 30. Pas dérangeant. Ce sera du moins 1. Ouais.
mettre les 30, il me reste 20. Pas besoin, puisque ça de bois pour le moment, donc oui. Allez, voyons voir ce qu'on débloque. Donc on va débloquer ça. Ça en premier, notre caravane. On pourrait prendre la deuxième caravane. Je voudrais me débloquer le feu avant, voilà. Recycler les objets, bah oui, mais en fait c'est surtout la grille terrestre qui m'intéresse. Feu caravane, est-ce qu'on pourrait pas la deuxième caravane ou le deuxième stockage? Allez, deuxième stockage, ça me tente bien, allez, deuxième stockage. Voilà, et en plus le feu il est encore à fond, cool. Super. Je sais que ça m'enlèverait un cran, mais non en fait, il s'est mis à fond quand même. Comme il est à fond, il a conservé là où il était, c'est bien. C'est bien. Tout le monde a eu ces trucs remplis, donc faut attendre la prochaine caravane maintenant. Les gars, vous avez rien à me donner, non? Bah allez, c'est parti. On prend les mamans, on recommence. Sauf que maintenant Mimi va me faire du bois. Omar, il va me faire du bois. Otis, il va me faire du poisson. C'est bon. 65, 85 de bois, c'est bien ça. 90 de stockage. Très bien. Allez, installez-vous. Voilà. Tout le monde s'en va demain. Juste que sa nuit reste bleue. D'accord, quand c'est rouge, c'est que... Ok. Ouais, mais c'est bon, elle reste bleue. On peut utiliser 20 et 10 si tu veux, allez. Pour avoir le... Parce qu'on a mon stock, mais sinon... Bon, là, je vais pas du tout de bois. Je crois que je suis en moins 5 en bois. Et toi, pas besoin de te rallumer. On rallumera ici. Serve notre bois. On peut le rusher aussi. Hein. Là, Salmi, si je voulais, je pouvais la mettre heureuse de suite. Mais j'ai pas envie de rusher. Ouais, on a moins 3. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, juste avant lui, ça ira très bien. Allez, mon dernier jour, on s'arrêtera là après. Même si ça va dépasser un peu les 30 minutes, mais c'est pas grave. Bon, ben voilà, du coup on en a plus déjà. 5 à accueillir. C'est ça. Je prends la loutre. Enfin, attends. Devenir heureux, produire des légumes. Des plants, 4 plants, 8 plants, 15 plants. Un sec pour le dîner, 2 plans. Travailler avec un voyageur, 2 plans. Pas de castor, c'est ça qui est dommage. J'aurais 2 loutres, pas grave. Il y en a une qu'on mettra au filet. Produire des légumes. Bien, j'ai pris plus 4 plans, ou alors je prends 2. Ouais, mais il fait plus très plein aussi. Sinon, je prends pas la souris. Et je prends Evelyne à la place. Evelyne, c'est plus 4 plans avec du bois. Relativement facile à faire. Alors que la souris, c'est très très facile à faire, mais c'est plus 2 plans. Et que 2 plans, alors que j'en ai 2 plus avec Evelyne. Ouais. On va faire ça. À tout se calculer maintenant, faut tout calculer, regarder ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, bien sûr. Sinon, personne de requête. Olivia, poisson. Elias, légumes. Benz. Ah.
Oli, avec un peu de chance, tu vas me faire du bois ici, donc hop, on va pour du bois. Et Evelyne, toi c'est le poisson, donc hop. Je vais faire plus de 20 de bois, je veux 33. Donc en 2 jours, c'est réglé. Sachant qu'en plus, on sait pas, on peut récupérer jusqu'à 15 de bois. Attends, du coup, si je prends Oli qui est là. Alors, on fait les 33 de bois. Même 35, alors je crois que c'est, je sais plus si c'est Oli ou Olivia. Olivia 29, bah c'est bon. Et on fait par contre du plus 25 en nourriture. Parce qu'on a vraiment besoin d'insectes. Hop, ça ferait 40. Bon. D'autres qui veut des légumes, 36. Ouais, on est à 40. Et que Elia qui veut devenir heureux. Allez, hein. Voilà. On planifie, on planifie. C'est ce plan, parfait. Ah, du coup, on va améliorer Salmi. Mika, c'est bon, mais Salmi est bien. Alors, pour améliorer Salmi, 30 comme ça, 30 comme ça, 30 comme ça, et voilà. Et du coup, ils ont plus, c'est plus un temps pour partir maintenant. Dès qu'ils ont fini leur tâche, ils partent. Enfin, dès qu'ils ont fini leur requête, ils partent. Donc, lui, il va devenir content. Lui, content, lui, très heureux, heureux, content, content. Oh, c'est bien déjà, Olivia, Olivia est heureuse. C'est bien déjà. Et Samy sera heureuse. Moi, ça me va. Par contre, on va produire moins de bois, hein, tant pis. C'est comme ça. Je peux pas mettre plus de poissons ni plus de légumes. Je fais ça. Ouais, si je fais ça, Samy est contente aussi. Ouais, ça me va, allez. Parfait. J'ai l'impression que vous allez mieux, mon ami. Ouais, merci pour vos bons soins, gardien. Ainsi que vous autres, camarades. Pas de quoi. Notre amo est là pour ça. Où est-ce que tu viens? Tête de la mer. Ouais. Oui, mais de quelle île? Ah non, non, de la mer. Notre île a été engloutie avant ma naissance. Je suis né sous l'eau. Malheureusement, notre village marin a cédé sous la pression. Sous l'eau? Voilà quelque chose qui me semble improbable. Bah si, si, je vous assure. Permettez-moi de rester encore quelques temps que j'envoie quelques messages à la recherche de mes semblables. Bien sûr, restez aussi longtemps que vous voulez. Le principal est que vous alliez mieux. Quant à moi, je vais devoir reprendre la route rapidement. J'ai d'autres gens à aller soigner. Merci pour tout, Mika. Revenez quand vous voulez. Voilà. Ouh, 26, c'est beau ça. Ça c'est beau. D'ailleurs, c'est beau. Ah ouais, non, je pourrais pas. Dire c'est beau, on peut faire tac-tac, mais non. Et oui. Ah si, je peux. Ah bah voilà, grille terrestre. Oui, bien sûr. Bien sûr, la grille terrestre. Donc en fait, il faut pas avoir les deux, il suffit d'avoir un seul. Alors oui, ça aurait été bien de prendre ça en plus, ou de l'augmentation du stockage de bouffe. Mais pour le moment, bon, la grille terrestre, c'est quand même un must. Avoir 4 niveaux, c'est bien. Alors, tout le monde se barre maintenant? Oui, tout le monde se barre, ok. Très bien, on n'aura pas de plan avant un petit moment. Du coup, vu que tout le monde se barre, et que si bien j'ai trop de bois, on va chauffer. Chauffe Marcel. Mais du coup, nous, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.